till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Alors bonjour à toutes et à tous. Il y a de cela quelques semaines, nous avons appris que The Founded Trader, c'est une société, n'est-ce pas, de prop firm, ok. Et cette société-là a voulu fermer ses portes. Et c'était aussi difficile de, n'est-ce pas, aller sur les sites parce que tout était bloqué. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai 2024. Et je viens juste de constater que le site, n'est-ce pas, est accessible à tous. Alors, ici on parle de trading, ici on parle d'argent. Et vous savez que lorsqu'on parle d'argent, le sujet, n'est-ce pas, est très important. Est-ce que pour un trader, c'est normal de se voir fermer les portes du jour au lendemain, n'est-ce pas, de son compte, sans préavis, même avec préavis, c'est pas facile. Alors, c'est le cas de ce propre firme qui a décidé du jour au lendemain de fermer les portes, tout simplement parce que ils avaient, n'est-ce pas, problème de liquidité. Et la plupart de tous les profs ont ce problème là, ok. La plupart de tous les profs ont ce problème de liquidité. Comment ça marche? Vous le savez tous que lorsque vous tradez avec un profs, ce sont des challenges, n'est-ce pas, que vous allez relever, ok. Mais pour pouvoir faire ces challenges là, il faut, n'est-ce pas, miser votre sou, votre propre argent. Et lorsque vous misez votre propre argent, ils vont vous faire trader sur des comptes démo. Et ces comptes démo que vous allez trader là, bien vrai que pour les 1% de traders qui, n'est-ce pas, savent bien trader, c'est plus facile de relever le challenge. Mais la majeure partie des traders, des retail traders, perdent, n'est-ce pas, le challenge. Et cet argent que, n'est-ce pas, ces retail traders perdants vont miser, c'est ce même liquidité-là, n'est-ce pas, ils vont donner aux 1% qui gagnent. Alors, la plupart des profs, n'est-ce pas, se retrouvent face au même dilemme, c'est-à-dire il arrive à un moment donné, il voit que il y a beaucoup de gains, ok, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de backup, c'est-à-dire liquidité de backup, c'est-à-dire dans la mesure où il y a plus de gains que de pertes, et il y a plus de gains pour les retail traders, c'est-à-dire les traders qui tradent, et de pertes, il est difficile de trouver de l'argent pour pouvoir payer, n'est-ce pas, ces traders-là qui gagnent. Donc du coup, du jour au lendemain, le prop firm ferme. Alors, très rapidement, sur mon écran, je vais vous montrer réellement de quel prop firm je parle aujourd'hui. Ok? Alors, je vous parle de The Founded, je vous parle de Founded Trader, ok. Alors, c'est ce prof firme là.
The Founding Kingdom. Ils ont écrit sur les trucs, mais c'est en réalité The Founded Trader. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes le 29 mai 2024 et on voit que c'est accessible. Mais auparavant, ce n'était plus accessible. Alors, la majeure partie des prof firmes font ça. Du jour au lendemain, ils vous ferment la porte sans préavis. Alors, il y a des précautions à prendre en tant que trader de prof firme. Lorsque vous tradez avec un prof firme, sachez que du jour au lendemain, vous pouvez, n'est-ce pas, voir votre compte bloqué. Tout simplement parce que le prof firme a, n'est-ce pas, disparu du jour au lendemain. Ou encore, on vous fait, n'est-ce pas, attendre le temps de régler eux les problèmes pour pouvoir, n'est-ce pas, donner l'accessibilité aux traders pour continuer, n'est-ce pas, leur travail. Ok, donc du coup, est-ce que ces profils sont fiables? Nous avons vu dans le passé plein de profils qui ont fermé. Alors ça, c'est déjà la maladie de tous les profils. Et ça vous arrivera, ok, quel que soit le niveau du prof firme, ça arrivera un jour. Parce que n'oubliez pas, au fur et à mesure que nous allons en avant, nous avons les traders qui deviennent de plus en plus forts, qui savent comment est-ce que il faut passer les challenges très rapidement. Donc arrivé à un moment donné, la vase, n'est-ce pas, sera bordé. Et dans ce cas, le propre film sera, n'est-ce pas, contraint, n'est-ce pas, de fermer sa société. Et du coup, ceux qui, n'est-ce pas, misent de grosses sommes pour faire passer les challenges, n'est-ce pas, se retrouveront avec des profits non payés. Ils ne pourront pas, n'est-ce pas, retirer les gains. Ils ne seront même pas en mesure d'accéder à leur compte. Voilà pourquoi il y a l'une de mes vidéos que j'ai fait auparavant, j'ai dit tout simplement qu'il faut se méfier des profs firmes. En tant qu'un trader débutant, il est préférable, voire même important, de se fier, n'est-ce pas, à son compte réel. Même partant avec une petite somme, ok, de 200 euros, on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui se passe avec un vrai mindset, une vraie, n'est-ce pas, stratégie mise en place, un vrai planning? Nous allons du jour au lendemain transformer ces 200 euros, n'est-ce pas, à une somme conséquente qui, n'est-ce pas, va nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, vivre de notre trading. J'ai toujours dit cela. Alors, pour ceux qui pensent que c'est impossible de passer de 200 euros à plus de 200 dollars du moins à plus de 190 000 dollars, je vous invite, n'est-ce pas, après cette vidéo, je fais une autre vidéo pour vous montrer le témoignage d'un jeune anglais qui a transformé les 200 dollars en 190 dollars et du jour au lendemain qui a quitté son travail. En trading, tout est possible. Mais il ne faut pas pour autant rêver que tout peut changer du jour au lendemain. La manière dont vous pouvez, n'est-ce pas, gagner les 100 000, n'est-ce pas, dollars, c'est de cette manière que vous pouvez, n'est-ce pas, perdre vos 200 dollars en quelques secondes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici, moi je parle que du trading, spécialement du gold trading, c'est-à-dire du trading de l'or. Alors, pour ne pas rater mes vidéos chaque semaine, il faut vous abonner, n'est-ce pas, à la chaîne et d'activer également la cloche des notifications pour ne rien rater de mes vidéos. Et
laissez une pouce bleue, c'est-à-dire un like pour m'encourager et également des commentaires, n'est-ce pas? C'est la seule manière, n'est-ce pas, de m'encourager. Et sur ce, je vais vous laisser, n'est-ce pas? Que le Tout-Puissant reste avec vous. Et n'oubliez pas, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Ciao et à très bientôt.